au 19e siècle un type assez connu qui s'appelait Marx, Karl, son prénom, Karl Marx, qui avait théorisé, et c'était un de ses principaux apports, en tout cas celui-là n'a pas été contesté, qu'il fallait du capital et du travail pour créer de la richesse. Et donc il faut du capital, et ce capital, il est en partie fourni par un système financier qui donne un effet de levier à la richesse telle qu'elle existe. Et donc, il faut certainement moraliser la finance. On est sûrement, comme le disait Jean d'Arthuis, à la fin d'un cycle et à la limite de la tolérance pour un certain nombre d'excès. Mais je pense qu'il ne faut pas, si j'ose dire, jeter le bébé avec l'eau des bains et considérer que tout ce que font les banques et tout l'argent qui est placé dans les banques est par définition amoral ou immoral, pour reprendre le thème du débat. Encore un mot quand même, parce que Très vite. Oui, très vite, mais dans cet endroit magnifique, climatisé, bien éclairé, on a un peu tendance à oublier que depuis 30 ans, cette finance et la manière dont elle a été conduite a permis aussi à une partie du monde de se développer plus vite que jamais dans l'histoire. Et on a un peu tendance ici, confortablement installé, à oublier que la moitié de l'humanité rêve de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez nous. Alors, bien sûr, on a ces crises, ces excès, mais n'oubliez pas que depuis 20 ans, la pauvreté a plus reculé dans le monde, en partie grâce à la finance, en partie seulement, mais en partie quand même grâce à la finance, a plus reculé dans le monde que depuis 200 ans. Et donc, en Asie, en Afrique, l'idée d'avoir plus de capitaux que quelque chose de non spéculatif ne le permettrait, n'est pas quelque chose qui est fondamentalement choquant pour tous ces gens-là qui vivent dans une misère qu'aujourd'hui, fort heureusement, nous ne connaissons pas. Donc, oui à la moralisation de la finance, mais attention à ne pas oublier un certain nombre de grandes données qui font aussi que le monde se développe grâce à ça.